la série est convergente. Donc, on a deux séries. La première série, le terme général de la loi UN est égal à 3 sur 2 à la puissance n moins 1 sur 3 à la puissance n moins 1, tel que n appartient à n étoiles. Il y a de la série qui euh, n est égal à 1. La deuxième série, le terme général dit là, il y a UN est égal à moins 1 à la puissance n, facteur de 1 sur 2, le toit à la puissance 2n, tel que n appartient à n et à n est égal à 0. À la On commence par la première série, la série, la série de termes général. un est égal 3 sur 2n, moins 1 sur 3 la puissance n, moins 1, tel que n appartient à n étoiles. Donc, je peux diviser le terme général en deux. a de la première série définie comme ceci n supérieur ou égal à 1, il y a 3 sur 2 à la puissance n, est égal à 3 fois la somme de n supérieur ou égal à 1, de 1 sur 2, le tout à la puissance n. Est une série géométrique, une série géométrique. Géométrique de raison 1 sur 2 qui est inférieure strictement à 1. Donc, à de la série, la série 1 sur 2 Alors, à la puissance n, telle que n supérieur ou égal à 1 est une série. Convergente. C'est une série convergente. Ici, on multiplie par 3, bien sûr, donc, il sera une série convergente. Donc, à de la série 3 sur 2 à la puissance n, telle que n supérieur ou égal à 1, est une série convergente aussi. Et nest une série convergente fois un nombre Toujours, il reste une série convergente. Maintenant pour l'autre série, la série, il y a la série de n supérieur à 1, de 1 sur 3 à la puissance n moins 1, est égal à 1 sur 3 à la puissance n, tel que n n'est moins 0. 0. On fera un changement de variable, on dire que prime par exemple est égal à n -1 est une série, a dit une série géométrique de raison q égale 1 sur 3 inférieur strictement à 1, donc c'est une série convergente. 1 sur 3 à la puissance n 1 n moins 1 est convergente. Donc, la, de la somme a une série, le terme une série, la série est formée par, par le terme général et convergente, l'autre est convergente, donc la série, donc finalement, donc la série n supérieur ou égal à 1 de... 3 sur 2n, 3 sur 2 à la puissance n, moins 1 sur 3 à la puissance n moins 1 est une série, est une série convergente. On a bien sûr la propriété suivante propriété si la série UN n est convergente et la série vn est convergente donc la série formée par le terme général la somme des deux termes généraux vn est aussi une série convergente puisque la série est convergente, le n-mouquin la somme de n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini de 3 sur 2n moins 1 sur 3 à la puissance n moins 1, qui est égal à la somme la somme 3 sur 2 à la puissance n moins n supérieur ou égal à 1 moins notre somme. 1 sur 3 à la puissance n moins 1, tel que n supérieur ou égal à 1, est égal à 3 sur 2. Je peux faire sortir à droite 2. J'obtiens la somme de 1 sur 2 à la puissance n. Ou y a, je commence par n est égal à 0. J'ai fait un changement de variable parce que 1 sur 2 à la puissance n est égal à 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc, la somme 1 sur 2 à la puissance n. n commence par 1 est égal à 1 sur 2. La somme n est égal à 0. Et je fais un changement de variable en posant n prime est égal à n moins 1. Donc, 1 sur 2 à la puissance n prime par exemple. On a un n jusqu'à plus l'infini. De même ici, moins, on a mon kénodran, n est égal à 0 par un changement de variable, n est égal à 0 jusqu'à l'infini, 1 sur 3 à la puissance n. On a mon kénodran, posons n est égal à n moins 1. Lorsque n est égal à 1, n est égal à n prime est, est, est égal à 0, Alors, il y a n on a n ici. Maintenant, un petit rappel. Une espèce de série géométrique. La somme d'LQ à la puissance N, tel que N commence par 0, d'acheter le 0 les deux, N est égal à 0 jusqu'à l'infini, est égal à 1 sur 1 moins Q. Voilà le rappel très important, et on Donc, de la série, il y a n supérieur ou égal à 1 hein, de la série, il y a 3 sur 2 à la puissance n, moins 1 sur 3 à la puissance n, moins 1 jusqu'à l'infini, égal 3 sur 2, fois l'inspérité de la somme, ça me l'a de rappel, donc c'est 1 sur 1 moins... Euh, la raison ici, c'est 1 sur 2 moins 1 sur. La raison ici, il y a 1 sur 3. Donc 1 moins 1 sur 3 est égal. Donc 3 sur 2 fois la droite là. Il faut que 2 sur 1, c'est-à-dire fois 2, moins 3. Le numérateur sur 3 moins 1, c'est 2. Je peux simplifier ici, j'aurai 3 moins 1. 3 sur 2. Finalement, à de la somme, n supérieur à 1 jusqu'à plus l'infini, il y a 3 sur 2 à la puissance n, moins 1 sur 3 à la puissance n, moins 1 est égal à 6 moins 3, il y a 3 sur 2. Voilà le résultat final. Maintenant, la deuxième série définie. De la tariqa, n supérieur ou égal à 0, on dit moins 1 à la puissance N fois 1 sur 2 tout à la puissance 2N. Le terme général dans ce cas, le terme général de la série, le terme général de la série, il y a Un est égal à moins 1 à la puissance N fois 1 sur 2 à la puissance n 2N. On peut simplifier le terme général. Il est égal à moins 1 à la puissance n fois 1 sur 2 fois la puissance 2 fois la puissance n. Il est égal à moins 1 à la puissance n fois 1 sur 4 ici. 1 sur 4 fois la puissance n. Donc, un, le terme général, il y a la série un. Okay devient moins 1, la plus, moins 1 sur 4 tout à la puissance n. J'ai fait entrer le moins, le moins entre les deux parenthèses. Voilà le terme général dans ce cas. Donc, cette écriture, on va l'écrire comme le Moins 1 à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance de n, est égal à la somme de n supérieur ou égal à 0, le moins 1 sur 4 tout à la puissance n est une série est une série géométrique géométrique de raison Q est égale moins 1 sur 4 qui est entre moins 1 et 1 donc dans la condition de la convergence, donc la série, donc la série de termes généralement à la puissance n 1 sur, sur deux à la puissance 2n est une série convergente est une série convergente puisque la série est convergente donc on peut calculer maintenant la somme de la n supérieur à 0 jusqu'à l'infini le moins 1 à la puissance n fois 1 sur 2 tout à la puissance 2n, on a qui est égal, est égal à la somme, n a c2, la somme de moins 1 sur 4 tout à la puissance n, tel que n supérieur ou égal à 0 jusqu'à l'infini, puisque c'est une série géométrique, d'après le rappel de l'Echfna, la somme de la s est égale 1 sur 1 plus q c'est à dire moins 1 sur moins 1 sur 4 donc rappel le rappel on rappelle, la somme de la série n est égal à 0 jusqu'à l'infini de q à la puissance n tel que q inférieur à 1 la valeur absolue c'est-à-dire q entre moins 1 et 1 est égal directement 1 sur 1 moins q. Donc ici 1 moins q à tous les 1 plus. Donc finalement, à de la somme n supérieur ou égal à 0 plus l'infini dial moins 1 à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance 2 n, est égal à 4 sur 4 plus 1 c'est 5. Voilà le résultat final. وبهذا الريزلت غنختم هذا الفيديو كان معكم الاستاذ خالد كنت كنتمنى يكون الشي واضح وبسيط والى فيديو مقبل ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته